Hey les gars, on se trouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. C'est un live. Enfin, ça dépend. Si vous regardez la rediffusion de live, vous êtes dans une vidéo, mais bon. Sur ce. Vas-y, go les gars, on lance. Ton 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 ton. On va s'éclater, les gars. Yand le 9, on s'en bat les couilles. Je joue pas avec lui. Ça va le chat? Ouais. Je râle avec Samuel quand il viendra. Il dit ça fait, il dit ah, je vais me laver, ça fait une heure qu'il joue avec Sam. Merci. On va te dégager d'ici. Putain. Niveau 1. Aïe aïe aïe. J'en connais un qui vient juste de lancer sa console. Ah, niveau 1, c'est chaud, les gars. Et ma soeur qui joue une fois par. Qui joue une fois par semaine. Eh, j'ai niveau 79. Pourquoi je dis skin banane parce que en fait, si je sais pas, si tu joues à Fortnite, essaye de mettre une tête à une banane. Essaye. T'arriveras pas parce que la, le haut du personnage, en fait, c'est comme si y a pas de collision en fait. Le squelette du personnage n'est pas en fait. Mais ils l'ont mal fait en fait. Hitbox, ça s'appelle une hitbox. Et en fait, ils l'ont mal fait en fait. Ils l'ont mal calibré pour le skin simplement. Il va aller où lui? Ah, il va aller là quoi, en ville quoi. Il a mis un point là lui. Tu joues juste là, c'est bon. Bah ça va. Hein. On est 12 sur le live, c'est bien. À l'époque, on était 100. J'ai pas le seum, non, moi à l'époque quand t'es 100 viewers sur GTRP, j'avais pas le seum. Non, bien sûr, c'était bien. Écoute, de 100 abonnés, tu passes à 21-22 abonnés. Il y a un problème dans la matrice, quoi. Après, je comprends. Les mecs, ils sont pas là pour voir du Call of ou du Fortnite ou du Cyberpunk ou du Mafia ou quoi. Ils sont là pour GTA. T'arrêtes GTA, t'assumes, tu vois, c'est qu'est-ce que j'ai dit. Qu'est-ce que je le dis tout le temps, j'assumerai, c'est pas grave. J'ai arrêté jouer à un jeu à GTA, j'assume. J'ai perdu ma communauté, c'est pas grave, tu sais. Hop, mes full shield. Hop. Hop, allez. Hop, une casse. Oh, un snipe. Un coffre. Hop.
Ah si, je te promets que c'est possible, ouais. Je me dis que c'est impossible de passer de 200 à 22 abonnés, c'est possible. Je le fais. Oh, après, c'est pas grave. Mais... Hop. Je prends. Fusil à pompe, je garde. Oui, il fait du bien. Il est bien. Hein. Bam. C'est un ennemi, ça? C'est un skin? Non, c'est un garde, je crois. Bon, ça a pris le tank. Putain! Pourquoi il casse le bâtiment? Il est con. Il a prévu de casser le bâtiment, hein, littéralement. Oh non! J'ai pris des dégâts, j'ai failli prendre des dégâts dessus. Hop. Juste pour le faire chier. Et comprendre qu'est-ce que je vais faire. Vas-y, monte. À monter. Qu'est-ce que je voulais faire? Vas-y, go! Les abonnés, vous savez qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je sais pas, c'est pour plaisir. Ah, c'est le niveau 1 qui est mort. Non. La vie de WAM, je descends pas. Bah, le temps, je peux pas le retourner en plus. Voilà, si. Il y a du frac ici. Qu'est-ce qu'il faut? Ah, en fait, tu veux détruire les bâtiments. Et là, tu vas être bloqué. Ah. Non, les gars, je les connais pas. Ni des gens. Oh merde! Là, bon, je me tire. Vas-y. Passe ta tête. Oh merde. Ouais. Vas-y, ça me fait plaisir. Je suis à sec. Putain, vas-y, c'est impossible! Vas-y, mais c'est lui qui joue sans micro, putain! La vie d'Ouam! Joue avec des micros, putain! Un truc de fou! Pas de micro, les gens! Est-ce que ça quoi que tu joues en ligne si t'as pas de micro? Casse la tête, Zubi!
Pardon. Ah, pardon. J'ai oublié de rigoler. Je peux pas rigoler de ça, c'est macho, mais c'est trop drôle. La différence entre un homme et une femme pour se garer. Tu vois une femme qui galère se garer sur un parking, qui a pas de personne sur le parking, tu vois. Et tu vois un mec se garer entre six camions. En plus, c'est faux, tu vois, il y a des femmes qui savent très bien se garer comme ma mère, tu vois, elle conduit, elle sait bien se garer, tu vois, mais. Oh putain de merde. C'est des préjugés, mais c'est drôle. Non, les abonnés, je rigole pas pour rien. Je rigole, parce que ça fait drôle. C'est drôle quand même. Oui, vous avez pas d'humour, les abonnés, c'est ça le problème, tu vois. Vous avez pas d'humour, moi j'ai de l'humour. Ouais, je jouerai en mode construction après, ça fait plaisir. Et toujours pas de micro, les gens. Non, c'est normal. C'est normal. Wesh, il y a un bug avec mon parachute, non? Oui, il y a un bug avec mon parachute. Ah, y a pas de coffre. Je vais atterrir dans la tour. Hop. Est-ce qu'on a une arme? J'ai un shotgun. Ah, je le vois le tank. Attendez, je vais essayer de buter le mec du tank. Oh, j'ai mis une balle. Ah, ça me tire dessus. Oh merde. Help. Help. Oh putain. Bon, j'ai tué un bot dans un truc, mais... Là, bah là. Non, mais attends, je dois avoir un truc normalement, attends. Allez, t'es KO mon gars. Hop, toi t'es mort. J'en ai buté un. Par contre le deuxième. Oh merde. J'ai failli mourir. Ah mais maintenant il y a une seule question. Comment j'atterris? Faut que je descende plutôt. Attendez, j'ai une solution. Hop là. Il y a un autre tank. J'arrive. Sans prendre aucun dégât de chute. Et ça, c'est beau. Par contre, tout à l'heure, la tête que j'ai mis au mec était beau. C'était belle, hein. C'était beau, c'était beau. C'était magnifique, hein. On pouvait le dire, ça pouvait. Drazeli, tu tires bien, tu... vous pouvez le dire, ça va pas vous tuer. Hein. Oh. Un coffre. Oh. Alors là, fusil thermique. Je prends. Une popo. Hop, sans shield, au calme. Ah bah, feu maintenant, on a 50 de shield avec le bouclier. Je suis obligé. Allez, va le chercher maintenant, ton tank.
Ouais, vas-y, moi je suis pas un joueur cancer, hein. Moi j'utilise pas les armes abusées. Enfin, des véhicules abusés plutôt. Par contre, une arme thermique, je dis pas non. Ça va? Coucou. J'entends qu'il doit m'insulter. Il doit dire des poils, des noms de poissons. Attends, j'ai mon arme thermique. S'il y a des gens, je lui nique sa grand-mère, la pute. Samuel, il n'est pas là, les gars. Enfin, s'il est là, mais il préfère jouer avec un mec qui l'insulte tous les jours. Il préfère jouer avec Sam. Ah. Ton record de vues sur une vidéo. Vidéo short, on n'est pas loin des 2000. Et une vidéo normale, je crois que mon record c'est 1605. Ah, il y a un ennemi. Ah, il me... Ah, mais sérieux? Bah, tu me vois là? Ah ouais, cool. Ou le deuxième. Ah, le troisième, t'es là toi? J'arrive les boys, j'arrive. Hey les gars, j'ai pas que. Je suis fort. Hey, what the fuck? Bah ouais frère, c'est. Hey, c'est pas Squeezie que vous regardez. Hein. Ni Godzilla GTA. Hein. Et Drazy YouTube les boys, hein. C'est pas. Hey, vous me croyez pour qui là? Oh la balle! Oh! Le quoi? Oh non! Ah j'ai le seum. J'ai le seum! Non! Oh non, non, je joue pas avec la même personne, c'est mort. Je joue avec la même personne, je joue qu'il y a un mec qui aura un micro. Hein. Putain de merde. C'est comme ça que j'ai rencontré plein de potes sur Fortnite. Hein, grâce au vocal. Pas des potes. Il y en a que je joue. Non, je joue plus avec le trou de balle. Là. Ils sont chiants les gens comme ça. Rainbow Six, ouais, je l'ai acheté, je l'ai en CD, mais je joue pas, j'aime pas, c'est de la merde. Salut les gens qui dorment pas la nuit. Vous faites quoi dans la vie? Je parie 60 euros qu'il n'y ait personne à deux micros. Pas de micro. Putain. Et jouer avec des souris muets, c'est la même chose. Des muets. Hein. Je vous jure, c'est la même chose. Un sourd, peut-être pas. Après, il y a des sourds qui jouent.
Ah oui, trisomique, il y en a qui jouent dans le jeu, t'inquiète pas, qu'il y a plein de trisomiques dans le jeu. C'est quoi ça là-bas? C'est quoi? Bah, c'est un dirigeable, ok. Non, je joue pas avec ces jambes. Parce que c'est un bon jeu avec ces jambes. Je dis pas que c'est de la merde, hein. Mais c'est pas mon style de jeu en fait, tu vois. Par contre, tu me dis fais un Warzone ou fais un Cold War. Bien sûr, là je te dis oui, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais quand il y a. Bon, ça, sur des jeux comme ça, tu vois, là ça, je dis pas non, mais tu vois, sur un Apex, pour moi, Apex, c'est un mélange entre un Call of et un Fortnite en fait. C'est un mélange, tu vois. C'est pas... c'est comme Fortnite, si on réfléchit bien. C'est, tu sais, à la base, pour moi, Fortnite, c'est un gros plagiat de. De PUBG. Techniquement, c'est ça. Hein. Non, mais non, vous dites non, c'est faux. Mais à la base, c'est un plagiat de PUBG. À l'époque, quand Minecraft était au summum avec le jeu de zombies, je sais pas quoi. Bizarrement, Fortnite. Comment ça s'appelle ? Moi, zombie, je crois, il est sorti là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un jeu... De toute façon, je joue pas. Et bizarrement, dès que PUBG a commencé à faire des vues, ils ont commencé à créer un Battle Royale Fortnite. C'est la même chose, je vous jure. Vous me croyez pas, vous me croyez pas, mais en fait, pour moi, c'est juste deux gros plagiat en fait. Mais bon. Après, il est quand même bien Fortnite. Enfin, à l'époque, c'était un gros plagiat. Maintenant, Fortnite, tu vois, il s'est démarqué, tu vois, je trouve. Ou maintenant, Fortnite, tu vois, il a trouvé sa place, tu vois. Tous les gens qui jouent pour Fortnite parce que ça, je jouais à Fortnite, tu vois. Je viens de dire que Godzilla GTA il joue. Il est pas fort, pourtant il joue quand même, mais bon. Mais si, c'est fort. Je suis level 270. C'est trop fort. Ouais, t'as fait tout, t'as acheté 60 paliers. Ouais, mais si je vois pas le rapport, c'est quand même fort. Bah ouais, bah, ça va, je te dis que c'est fort. On va pas parler de Samuel, mais. Si il regarde pas mes vidéos, je peux l'insulter. Je pourrais l'insulter de tous ces gros mots, il regarde pas mes vidéos. Enfin, il regarde au début, après il regarde pas à la fin. Dire si c'est mieux, je peux dire toutes les dingueries sur lui, il s'en battrait les couilles. Oh, ça m'a tiré dessus. On m'a tiré dessus plutôt. Allez, go fight. Ah, oh, fusil à pompe automatique. Et je parle. Je meurs par des bottes. Oh non, là, on. Par des bottes. Oh, c'est déjà arrivé, faut pas que je rigole. Ah non, c'est vrai que ça m'est jamais arrivé, c'est bizarre. C'est déjà arrivé à Samuel par contre, c'est là, ouais, c'est bizarre. Ouais, j'aurais pu prendre des mini-popos pour mon défi. Et je prends des mini-popos pour après. Comme ça, si je tombe sur des mecs qui m'ont l'amende. Qui m'ont une amende, c'est tout. Bon, allez, je vais tuer les bots. Hop. Et si j'ai vu un mec qui m'a dit une fois en vidéo, s'il comptait tous les bots qu'on tue, on aurait tous 40 kills. C'est vrai que ouais. Techniquement c'est vrai. C'est, parce que ouais, c'est vrai que c'est pas, bah, cette saison là, on a plus de bots. Mais je trouve qu'on a moins de PNJ. Enfin, on en a autant, je veux dire. Moi même on en a plus, mais je sais pas, ils sont tellement éloignés qu'on dirait qu'on en a moins. À l'époque sur cette saison, t'allais dans une ville, t'en avais 4 quoi. Comment ça j'abuse? Ok, il n'y avait peut-être pas 4, 5 à la limite. Mais bon, 3 à la limite. Pas 5, 3 allez à la limite. Il y en avait. Vas-y, je vais jouer. Coucou. J'ai des failles de boss, de poche. Oh, aïe. Je sais pas comment j'ai gagné l'XP. Il y a une technique d'XP, je sais pas comment. Ah, parce qu'on a chez le boss, peut-être. Vas-y, là, vous me récompensez avec des armes en or. Je dis, c'est trop bien. Putain, j'adore. Mais... ils prennent tous ces rats des champs. Eh vas-y Nuxaras, ils prennent tout. Ah mais j'en ai connu des rats dans ma vie, mais eux. Regardez ces rats. C'est plus des rats. C'est des rats gondins. Oh je suis bâtard.
On a tous un pote comme ça. Tu vois, quand tu manges au restaurant, j'avais payé une addition, ils se cassent. Ils ont toujours une excuse. Je vais aller aux toilettes, ma mère elle m'appelle. Il y a des gens comme ça. Je suis sûr dans le chat, il y a des gens comme ça. Bande de bâtards. T'es un bâtard. T'as dit que lui c'est un rat pour le stuff. Comment je suis un rat? Je suis pas un rat. Enfin, si, je suis un rat. Si. Mais après, vous comparez Fortnite et Call of. Voilà, gars. Call of, je suis un roi rat, quoi. Il y a des plaques de pare-balles. J'ai pare-balles. T'inquiète pas que je t'en laisse zéro, tu vois. Mais je suis pas un rat, juste que j'économise, on va dire. Non, mais les plaques dans Call of, c'est vraiment un truc de fou. Oh merde! Je suis tombé. Ouh, non. Oh, je prends. J'embarque. Une thermique, j'embarque. C'est bien la thermique. Quand tu te mets au loin comme ça avec une thermique, c'est bien. Après, c'est pas une. Après, tu peux camper, tu vois. Après. Là, finis que je suis un gros campeur, je suis pas un campeur, juste que j'aime bien. Rester là. Moi, vas-y, viens, je descends. Et ils sont bons. Par contre, moi, tout ce que. Oh! Allez, hop, j'embarque. Lance-roquette. Non, c'est pas un lance-roquette, c'est un. Lance-missile. Ouais, lance-missile. 15 000 XP, merci beaucoup. Est-ce qu'on gagne de l'XP? Je sais que sur Call of, ça vous avait choqué que je gagnais 60 niveaux par. 60 niveaux. C'est vrai que j'ai gagné 60 niveaux. Oh, c'est pour ceux qui se posent la question comment je gagne 60 niveaux par à chaque fois que je joue à Call of Cold War. Et ben juste parce que en fait, je sais pas. Juste que je gagne toujours. J'ai toujours gagné autant en fait. Tu vois. Après c'est normal qu'on ait 60 XP par sur Cold War. Le mec qui gagne pas 60 niveaux par sur Cold War quand il joue deux fois. Il joue deux fois par jour, ouais. Putain, ils vous ont fait des kills à la place, vous allez les buter. Hop, je l'ai achevé. Ouais, je sais, d'habitude je fais un kill par game, mais bon. Eh les gars, je viens de jouer à Cyberpunk avec Man. J'ai pas le temps de faire double kill, triple kill. J'ai pas le temps. Bah tout à l'heure, j'ai fait 3-4 kills d'affilée, hein, sans m'arrêter. Ouais. Qui c'est ça, frère? Non, mais non, les gars, dites pas ça. Cyberpunk, c'est un bon jeu. Juste que vous êtes rageux parce que vous pouvez pas l'acheter. Bah ouais, c'est juste ça. J'aime bien le jeu. Et moi, j'achetais à la sortie le jeu. Bien sûr qu'à l'époque, il y avait full bug. Ça, Dieu sait. Ah, les bugs. Les bugs des voitures dans le sol. Des ennemis qui disparaissaient, qui réapparaissaient. Bugs de dialogue. Pas de cinématique. Mais c'était bon. C'était un jeu, wesh. À l'époque, j'étais online, c'était encore plus bugué que ça. Hein. Ils ont faisaient pas tout un drame. Vous avez déjà joué à Garry's Mod, petite question. Tu compares Garry's Mod et Cyberpunk, t'as pas honte? Oh, Garry's Mod, ouais, c'est marrant. Oh, tiens, ça va faire un défi. Allez hop. Mais wesh! Oh grand. Ah, on est ras-le-bol! Ah vas-y, c'est bon frère, allez hop. On va se casser, c'est bon, ça me casse les couilles. On va lancer un live sur Rickman, c'est bon, ça me casse les couilles. C'est bon, ça me casse les couilles, allez hop, c'est bon, ça me casse les couilles. Non, c'est bon les gars, pas de top 1, cassez-moi pas les couilles. Allez hop, c'est bon. J'en ai ras-le-bol! C'est bon! Je meurs, putain, c'est bon, ça me casse les couilles.
Je mode construction. Non, mais c'est pas un problème, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles, je vous dis, ça me casse les couilles. Tu tombes sur des mecs qui n'ont pas de putain de micro de merde. Putain, arrête, je jouais pas en mode en ligne, ça n'avait pas de micro, là, ça a rien d'acheter de jouer en mode en ligne alors, putain. Oh, tank. C'est quoi ce jeu? Privé? Public? Ah, c'est des combats de tank. J'ai vu des combats de tank. De gros tank tank quoi. Ah ouais, bon les gars. Attends, je suis stoppé le rec parce que.